Pourquoi la ville amie des aînés ? Parce que la ville de Canet-en-Roussillon, son conseil municipal, a la volonté d'accompagner les Canetois dans leur bien vieillir au sein de la ville. Alors les enjeux sont de trois ordres. D'abord, le premier, c'est l'aménagement de la ville dans son ensemble et donc l'aménagement de l'espace public pour qu'il soit plus facilement accessible et qu'il soit aussi un lieu de détente. C'est l'aménagement des structures municipales et des bâtiments en particulier pour eux aussi qu'ils soient plus facilement accessibles. Le deuxième enjeu, ce sont les actions mises en œuvre par le Centre communal d'action sociale pour répondre aux besoins des Canetois qui avancent dans l'âge. Alors ce sont les services de maintien à domicile que nous proposons par le biais des aides à domicile. C'est le service de portage des repas à domicile également. Et puis il faut penser à l'aménagement, l'équipement, le lieu qui permettra d'accueillir les personnes qui ne sont plus en autonomie. Et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité construire une nouvelle maison de retraite au sein de la ZAC des Régals. Et enfin, le troisième point, c'est bien sûr la santé. Et la santé, c'est offrir les soins dont les Canetois ont besoin. Il y a eu Medicané qui a déjà répondu pour partie à cette attente. Demain, ce sera le centre de santé municipal et également le centre de radiologie qui sera adossé à ce centre de santé. Alors, il s'agit d'une démarche participative. Nous avons besoin de vous. C'est la raison pour laquelle nous organisons des ateliers les 20 et 21 juin prochains. Si vous avez plus de 65 ans, venez au CCAS pour vous inscrire et participer à ces ateliers qui auront lieu le 20 juin après-midi et le 21 juin au matin. N'hésitez pas, inscrivez-vous, nous avons besoin de vous.